Salut les amis, c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve aujourd'hui pour le camionneur de l'extrême, Jean-Michel les amis, est de retour sur les routes américaines, hein, en Arizona, au Nevada et en Californie pour l'instant, puisque c'est les trois états qu'on a disponibles sur ce magnifique jeu qui est American Truck Simulator. On est parti, on a déjà pris trois levels, comme donc le reboot, hein. C'est le reboot, oui, on va recommencer, puisque voilà. Et on a donc repris les trois niveaux qu'on avait déjà sur l'ancien Let's Play, donc maintenant c'est du neuf. On a déjà de près les deux prochains points que l'on pourra prendre. J'ai rajouté un mode donc qui va m'augmenter un petit peu l'argent et l'XP que je vais gagner, hein, pour aller un petit peu plus vite, parce que autrement on va perdre vachement de temps, ça va être très très long. Du coup ça va nous aider. Et aujourd'hui on a un petit défi, donc Alonso m'a mis au défi de faire un épisode sans aucun accident, même pas un minime accrochage. Donc on va essayer les amis de le réaliser tout simplement. Ça va être très très dur. Ça va être très très dur. Sachant que je tourne cet épisode après un live. Je viens de liver, je viens de refaire mon retour sur le live. Et du coup, je suis assez fatigué. Je suis debout depuis 6h du matin. Il est actuellement 1h du mat. Ça commence à faire un petit peu la gueule. Hop là, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal mis mon volant. Oui, j'ai même mis mon volant. Ok, d'accord. On va bien le mettre. Voilà. Merci. Arrête de bouger. Du coup, ça va être très 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 dur pour moi. Sachant que déjà, quand je suis réveillé et en forme, j'arrive pas. Alors maintenant, fatigué et en plein milieu de la nuit, ça va être chaud. Bon, allez, on perd pas de temps. On y va. On va livrer du soja. 22 tonnes de soja. On part de Las Vegas, décidément. Décidément, Las Vegas, toujours notre ville de départ. Hein. On va à Los Angeles, les amis. On a 249 miles à faire. Approximativement 6h30 de trajet. On va se faire $16,428. Ça fera plaisir. Ça nous met un petit peu de beurre dans les épinards pour acheter notre futur camion. Et c'est parti, les amis. Le trajet sans accident. On va le tenter. On va le tenter aujourd'hui sous vos yeux ébahis. Jean-Michel Nours, les amis, va tenter le trajet sans accident. Ça va être chaud. Autant le défi qu'on m'avait donné, que Mickaël m'avait donné, de ne pas avoir de contravention, on l'a réussi avec succès. Mais c'était pas très difficile, on va dire. Il y avait juste à respecter un petit peu les limitations de vitesse. Autant celui-ci, je le sens pas bien. Je peux vous dire que je le sens pas très très bien. Alors, où est la sortie déjà? À côté de ce mur. Donc, déjà, on nous met déjà dans l'handicap. Hein. On nous met un petit peu dans l'handicap. Allez, c'est parti. Let's go, let's do this. Pas le moindre accident. Ok, on sort de la petite supérette. Ah, d'accord. Oh, mon dieu, quoi. Déjà, quoi. Eh, franchement, c'est à croire que le jeu me troll, quoi. Le jeu le fait exprès. Ils savent que j'ai un défi à faire et ils me mettent dans les conditions les plus extrêmes au monde, quoi. Alors, je vais être extrêmement prudent, les amis. Hein. Je vais vraiment être extrêmement prudent sur ce trajet. Vous l'avez mérité, hein. On m'a demandé, on m'a dit, voilà, je te mets au défi de faire un trajet sans accident. Eh ben, je le prends. Je le prends, ce défi. Je vais le réussir, je vous le dis. Bon, on va avancer, on va les faire arrêter. Voilà, hein. Moi, je passe. Moi, je suis comme ça. Maintenant, histoire qu'eux s'arrêtent aussi, ça serait sympa. Voilà, ça, c'est cool. Non, c'était juste ce taxi qui s'est arrêté bien. Ta gueule. Ah, commencez pas, hein. Commencez pas, mon merdé. Bordel, pas possible. Alors n'hésitez pas, hein, si jamais vous avez d'autres défis à me donner, bien sûr dans la mesure du réalisable toujours. Hein, n'allez pas me chercher des défis farfelus. Si vous avez des défis à me donner, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Allez, on passe avant que ça passe au rouge. Okay. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et j'essaierai de les réaliser, bien sûr, s'ils sont faisables. Il n'y a aucun souci, les amis. Et là on est parti. On va peut-être essayer de... Ah non, bah non, on est qu'à 25 miles. Hein, j'allais dire, on va peut-être essayer de respecter l'imitation de vitesse aussi, mais on est en dessous, donc ça va. Allez, avant que ça passe au rouge, vite, 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 vite.
C'est bon ça, c'est bien, allez, continue. Continue comme ça. Allez, pas d'accident, donc on anticipe les freinages. Moi qui suis une quiche à ça sur American Truck, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à gérer les freinations. Hein? Je me trouve très très souvent dans le coffre de la voiture qui est devant moi. Puisque j'oublie que les camions sont hyper lourds. Et que du coup, quand tu freines, eh ben, ça a tendance à continuer de rouler. Hein? Surtout quand en plus 22 tonnes au cul là. Le camion doit faire entre 30 et 35 tonnes à mon avis, complet. T'as intérêt à avoir de bons freins pour ralentir la bête. Hein. Et sinon mes amis, j'ai trouvé en fait pourquoi le jeu avait des petits sursauts. Alors c'était à cause des sauvegardes automatiques. Mais en plus de ça, c'était dû aussi du fait que je stockais sur un disque dur externe. Vous savez, hein, je vous avais raconté comme j'attendais mon disque dur qui était en réparation, le neuf que j'avais acheté, voilà, qui m'a été changé puisqu'il ne marchait pas en fait quand je l'ai acheté. Donc j'attendais qu'il me le renvoie. Et du coup, j'avais trouvé une solution temporaire, c'est-à-dire de stocker toutes mes données sur un disque dur externe que j'avais en ma possession. Le problème, c'est que vu que c'est un disque dur externe, il y a des sautes en fait, des sortes de petites mises à jour, enfin pas des mises à jour, mais d'initialiser en fait, comme il n'était pas à l'intérieur de la tour, en fait, bah du coup, voilà, ça faisait sauter mon jeu. Donc maintenant c'est réglé, le jeu est sur disque dur interne, il n'y a pas de souci, je suis en 60 FPS, il n'y a plus aucun problème. Ah, excès de vitesse, mince. Bah ouais, mais attendez, monsieur l'agent, quoi. On est sur une voie d'accélération d'autoroute aussi. Je vais pas rester à 30 km/h. Ils sont pas très compréhensibles quand même aux États-Unis hein, là-dessus. Ouh. Je crois qu'il est pas passé loin le camion FedEx. Je crois qu'il est pas passé très très loin. Allez, on se barre du Nevada là, parce que là, ils m'ont saoulé. Là, ils m'ont saoulé avec leur contravention. Alors par contre, je crois que j'ai oublié le moteur sur le parking. Le bordel, il avance pas quoi. 27 miles, gars, allez! Montre! Montre que t'es américain, montre que t'as un gros moteur. Fais quelque chose avec ton Kenworth, sérieusement. C'est le camion que je veux m'acheter plus tard et t'es en train de leur montrer que t'as pas de puissance. Fais quelque chose, merde! Appuie sur le champignon là, allez! On doit monter à 80 miles, là, on n'y est pas rendu là. On n'est pas du tout rendu là à cette allure-là. Hein. Allez, tu vas y arriver. Vas-y, on y croit. Ah, en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, ce petit let's play. Je suis en train de réfléchir à comment amener. La version européenne avec la version Euro Truck. Je suis en train d'y réfléchir un petit peu. Je voudrais pas non plus voilà, mettre les deux let's play en même temps sans essayer d'avoir un semblant de truc ou un truc comme ça. Je vais voir si je peux pas faire quelque chose de pas mal puisque vous m'avez demandé hein, de faire la version européenne aussi. Donc je vais voir ça. Peut-être que la version européenne on la fera en stream. Je sais pas encore. Je sais pas encore trop comment ça va se dérouler. J'y réfléchis actuellement. Surtout qu'apparemment, enfin. Bah, apparemment, c'est sûr, il y a le DLC France qui devrait sortir sur Euro Truck Simulator aussi, donc ça va être intéressant de pouvoir parcourir la France. Hein, la France est totalement refaite. C'est vrai que sur la première version du jeu, on avait accès à trois villes, je crois. Il y avait Paris, Lyon et Metz, je crois, de mémoire. C'est pas énormément. Donc, ça va faire plaisir de pouvoir parcourir la France. Ah, on est passé en Californie là, on va se détendre sur la limitation de vitesse. Alors, par contre, faut que je change mon tableau de bord. Voilà, que je passe avec le cruise control s'il te plaît. On n'a pas la version de la boîte de vitesse avec le retardateur, donc ça ralentit pas.
Il y a le fait aussi que je vais très certainement, j'ai postulé déjà, enfin j'ai postulé, j'ai déjà rencontré le patron de l'entreprise, que je rejoigne une entreprise virtuelle sur Euro Truck Simulator et American Truck Simulator. Donc du coup, je suis en train de réfléchir à comment ça pourrait se dérouler justement, est-ce que ce serait pas cool justement de... enlever une oreillette parce que je suis beaucoup trop fort dans les oreilles. Je sais pas si ça serait pas intéressant peut-être de vous filmer justement la version européenne en version entreprise, c'est-à-dire que je ferai mes trajets pour l'entreprise avec des feuilles de route et tout, ça vous le verrez pas parce que les feuilles de route c'est fait par logiciel sur internet, mais comme ça vous pourrez voir mes trajets sur la version européenne pendant que je ferai mes trajets d'entreprise, mais par contre ça sera en multi parce que l'entreprise se gère en multi. Je sais pas, je suis en train d'y réfléchir. N'hésitez pas à me donner des idées si vous en avez. Si vous voulez voir quelque chose de précis, n'hésitez pas à me le dire. Hein, je prendrai vos options en considération. Il n'y a pas de souci. Après, je les prendrai en considération. Ça ne veut pas dire que je les accepterai toutes. Attention, on va essayer de rouler droit. Pas d'accident, hein. C'est le but. C'est le but de ce trajet. Pas d'accident du tout. Pas de mini accrochage. Rien du tout. Pas de glissière de sécurité, pas de... rien du tout. Pas d'accident du tout. C'est le défi et on va s'y tenir. Je suis très concentré, hein. Je veux dire que là je suis concentré à mort sur la route et le trajet, je regarde mon GPS. Si j'ai la bonne route, je regarde les IA aussi à côté, parce que très souvent les IA font de la merde. Donc je fais vraiment très très attention à ce que je fais. Hein. C'est le défi et j'aime bien relever les défis, donc du coup je vais essayer de m'y tenir. En tout cas moi j'adore rouler sur Euro Truck ou American Truck, j'y joue beaucoup hors vidéo quand j'ai un moment libre. Je kiffe, c'est bête à dire parce que c'est un jeu qui est quand même assez simple. On a juste à prendre une livraison, à partir et à faire son trajet et puis voilà. Mais franchement, c'est, je sais pas. Après, peut-être que tout le monde n'aime pas, je sais pas. Mais moi, c'est un kiff, ça me repose. C'est vraiment très reposant. Hein. Ça change de tous ces jeux où on doit courir partout, tuer des gens, faire des courses de voiture. Là, on est tranquille. On se met un petit peu de musique dans les oreilles et on a un très très beau décor. Et on profite. Ça, c'est cool. Et puis après, d'un autre côté aussi, il y a Arma 3 aussi, je vais m'y remettre. J'avais bien envie de recommencer Arma 3. Mon ancienne config ne me permettait pas de jouer Arma 3 dans de bonnes conditions. Maintenant que j'ai changé pour un i7, ben, du coup, ça marche mieux. Hein. Ça marche beaucoup mieux et on va pouvoir retourner sur Arma 3, faire un petit peu de RP. Et du coup, je suis à la recherche d'un serveur Altis Live, si vous reconnaissez un. Hein. Modé de préférence. Si vous connaissez un bon serveur Altis Life modé, n'hésitez pas à me le donner en commentaire aussi si jamais vous connaissez un. Alors après il reste toujours hein, les classiques, on va dire les plus populaires, hein, les Fantasma, les Agoraphobia aussi je crois, un truc comme ça. Les gros serveurs, mais je suis pas très très fan de ces gros serveurs parce que voilà. C'est comme si toujours les plus populaires qui sont mis en avant, il y a toujours masse population sur ces serveurs. Et très généralement tu trouves très souvent sur les gens qui font pas de RP. Ça pique un peu le jeu, donc j'hésite souvent à aller sur des gros serveurs comme ça pour pas non plus niquer un petit peu le gameplay qu'on peut rechercher quand on fait du RP quoi. Hop là, on va freiner. Apparemment ça ralentit, on entre dans une ville. Pas l'accident, je vous le dis moi. Très très à l'affût. J'ai remarqué hein, la voiture qui freinait devant moi. C'était signe qu'il se passait quelque chose. On va s'arrêter 10 mètres avant. On va s'arrêter 10 mètres avant tellement je flippe d'avoir un tout petit accrochage. Ah ouais, on n'a pas le klaxon sur le W9, ça faut que je regarde aussi pourquoi. Il est 19h, on va mettre les phares, parce que le soleil commence à tomber. Faudrait que je buve, mais j'ai pas le...
j'ai pas la confiance de boire un coup en même temps de conduire, du fait que je dois pas prendre d'accident. Ça me met la pression, donc du coup j'hésite à boire. Mais bon, il reste 47 miles de trajet, on devrait pas tarder à y arriver. On fera qu'un seul trajet aujourd'hui les amis, parce que voilà, vous comprendrez que voilà, il est 1h du matin. Ça fait pas loin de 15h que je suis debout. Plus que ça, même. Je suis debout depuis 6h du mat. 18, ça fait 12. 18, ça fait 6, ça fait 18. Ouais, ça fait 18, 19h pratiquement que je suis debout. Attention, parce que là, je suis à 70 miles. Je suis vraiment hors limitation de vitesse. Et c'est le meilleur moyen de se choper un accident. Le petit clignotant, parce qu'on va s'engager sur la voie ici. En plus, Los Angeles, c'est pareil. Los Angeles, c'est une ville qui va être relou à traverser sans accident, quoi. Et galère Los Angeles, à chaque fois, c'est le bordel. Il y a du trafic partout. Des gens qui vont dans tous les sens. On a peut-être une chance du fait que c'est la fin de soirée, donc du coup, peut-être qu'il y aura moins de voitures. Hop, on va se déporter un petit peu voilà, sur la gauche. Alors, pourquoi il n'y a personne qui avance? Ah, ça, nous c'est parti. Ah, le feu est déjà orange. Oh, on a perdu. Non mais je l'ai vu, putain, mais c'est à cause des voitures qui ont avancé, j'ai pas voulu prendre trop large, du coup la remorque a tapé la voiture. Oh non, j'ai loupé le défi, j'ai loupé le défi, mais vous êtes sérieux, on est à 23 miles quoi. Oh putain, oh mais putain, mais c'est à cause des voitures, elles ont avancé, du coup j'ai hésité à prendre large, et du coup la remorque a tapé la voiture sur le côté. Bon, bah défi raté les amis. Défi complètement raté. Ah, fuck you. Bah du coup, on mettra ça au prochain épisode. Hein, on mettra ça au prochain épisode jusqu'à temps que je réussisse. C'est terrible, on était bientôt rendu 23 miles, il nous restait à faire avant l'accident, quoi. Oh non, je suis tellement déçu. Moi qui étais tellement concentré, quoi. Depuis le début du game, je suis concentré, merde. Ah, et puis là, pour une toute petite erreur, une voiture qui avance alors qu'on passe sur le côté, quoi. Ah non, je suis tellement déçu, tellement déçu. Bon, bah, on mettra ça pour le prochain épisode, hein. Je vois que ça, maintenant, on va essayer de le faire. Hein. De toute façon, voilà, on le fera. Hein. Jusqu'à temps qu'on y arrive, on va passer 10 ans s'il le faut. On m'en fout. Même s'ils sortent American Truck Simulator 2, je resterai sur celui-ci jusqu'à temps que j'arrive à faire un trajet sans accident pour réussir le défi que m'a donné Alonso. Ah putain, merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bête, on était proche, quoi. On était très très proche. Et en plus, la route pour l'instant est pas très très dure. On va livrer juste à l'entrée de la ville en plus, donc on aurait vraiment eu beaucoup de chances de le réussir, quoi, malgré cette petite erreur. De toute façon, c'était soit je prenais la voiture que j'ai prise là, soit je prenais la voiture qui s'était avancée, donc voilà, d'un côté comme d'un autre, je pense pas qu'on aurait pu s'en sortir indemne. Peut-être qu'on va tourner la tête trop vite, parce qu'il y avait encore une voiture devant, du coup, je sais pas si elle était partie ou pas. On va les laisser passer. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, merci. Ah là là là. Bon, c'est pas grave. Allez, on continue. On est rendu, on va livrer. On va livrer notre marchandise du soja chez l'entreprise Charged. J'espère qu'ils font pas des produits électriques avec du soja. Hein. Allez, je me suis arrêté avant. Alors, qu'est-ce qu'ils nous donnent? On tente? Ouais, non, j'ai pas envie.
J'ai pas envie. Oh, bah, je suis tellement déçu d'avoir pris l'accident que j'ai pas envie de me faire chier. Surtout que là, faut que je fasse demi-tour. Je suis sûr qu'il y a en plus des obstacles. Ah, quoique, drôle, il aurait été sympa en fait. Il aurait été très très sympa en fait. Comment ça se passe? Que j'avance peut-être? Non, j'avance. Arrête sur la marche arrière par contre, s'il vous plaît. Par contre, j'ai tourné le volant, monsieur, pour arrêter les conneries. Donc, quand je tourne le volant, après, il faut conduire. Enfin, faut tourner le camion. Voilà, merci. C'est très généreux de votre part. Ou quoi? Terrible ça. Allez, livraison effectuée les amis. Je suis tellement 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 déçu quoi. Il nous compte même pas de pénalité quoi. Il nous compte même pas de pénalité, c'est terrible ça. C'est terrible ça, il nous compte même pas de pénalité, pourtant on a eu un accident. Bon, alors ça c'est fait. Alors le prochain point qu'on avait choisi, c'était Alonso, et il avait choisi ce petit saligo. Alors que je regarde bien, marchandises dangereuses. Allez, on va mettre un deuxième point dans les marchandises dangereuses. Hop, voilà. Le prochain, ça sera le point de Michael, qui a choisi fragile, je crois, si je ne m'abuse. C'est ça, marchandises fragiles pour Mickaël la prochaine fois. Et au niveau du pognon, on est à 41 000 dollars. Donc ça, c'est plutôt sympa, puisque le camion de base fait à peu près 100-110 000 dollars. Donc voilà, hein, ça serait sympathique. On aura peut-être besoin de faire juste un petit emprunt, histoire d'avoir un camion avec des options, ou pas, hein, à voir. En tout cas, ça se déroule plutôt pas trop mal. Les amis, on va se quitter sur cet épisode. Désolé, désolé Anzo, j'ai pas réussi ton défi. Mais ce n'est que partie remise, je le tenterai pour le précédent, enfin pour le prochain, pour le précédent, ça va être dur, pour le prochain épisode. J'espère que ce trajet Las Vegas-Los Angeles vous aura plu les amis. N'hésitez pas à mettre vos retours en commentaire, vos points, si vous voulez qu'on mette des points d'aptitude particuliers, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Le prochain on l'a déjà, donc mais pour le point numéro 6 et suivant, vous pouvez les mettre en commentaire. Mais du coup, on faudra peut-être attendre le prochain épisode, parce que du coup on a déjà le prochain point. Vous pourrez choisir le camion que l'on va acheter aussi, bien sûr, je vous le rappelle. Et puis bah, n'hésitez pas à donner vos retours sur la version européenne que j'ai envie de faire. Donc si vous avez des propositions à me donner, n'hésitez pas. Et puis bah, si vous connaissez un serveur Altis Life modé, pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire les amis, j'irai faire un tour. Merci d'avance. Passez une très très bonne semaine, c'était Monsieur Nours sur Jean-Michel, le camionneur de l'extrême. À la prochaine, salut, bye bye.